Dans la nuit, le capitaine Lecointre fait la ronde de ses postes et arrive sur un de ses postes vers Bagna. Et il s'aperçoit que c'est les Serbes qui occupent le poste. Il va rendre compte à son colonel, le colonel Sandal, qui commence à réfléchir à une possibilité de reprise du pont. Moi, vers 6 heures du matin, vers 6 heures du matin, le colonel May, qui est mon chef d'état-major, me dit, les Serbes viennent de prendre par surprise le pont de Verbania, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à le reprendre. Et je dis oui, vers 7h30, et donc on monte cette opération de reprise du pont. Sans aucune autorisation, qu'elle soit internationale ou nationale. C'est-à-dire c'est le terrain qui reprend l'initiative et qui lance cette opération sur le pont. On monte vraiment une opération classique de reprise d'infanterie avec le lieutenant Éluin, qui est la section que j'ai à disposition à ce moment-là pour monter cette action-là. Eh bien, on obtient l'ordre du général Guebillard et la décision prise du général Guebillard de monter cet assaut. Et c'est à ce moment-là que me saute aux yeux et me saute à l'esprit l'évidence de ce que nous allons devoir faire. Que tant qu'on est dans la préparation intellectuelle de l'action, les choses restent malgré tout assez virtuelles. Et au moment où enfin la décision est prise, et où enfin nous commençons l'infiltration à pied vers le poste, je sais très précisément, parce que j'ai eu un contact avec les soldats serbes en face, je sais très précisément que ça va se terminer dans le sang. Le moment très, très précis où je mesure de façon ultime ce que ça va être, puis lorsque, ce que je mesure bien, c'est la peur aussi. Parce que je comprends, commence à comprendre ce qui va se passer. Où je mesure ce qui va se passer et à quel point ça va être un corps à corps, c'est au moment où on donne l'ordre de mettre les baïonnettes au canon. Parce que quand on monte un assaut d'infanterie, on met la baïonnette au canon. Voilà. Et donc là, brutalement, on se retrouve rattrapé par ce qu'il y a de plus extrême dans le combat. Le corps à corps. Une fois que les choses sont lancées, d'abord c'est le lieutenant qui part en tête. Et moi je suis derrière, c'est le premier groupe de la section qui monte à l'assaut qui immédiatement se fait clouer. Le lieutenant monte avec le deuxième groupe, franchit le découvert, et moi je suis avec ce deuxième groupe. Voilà. Et prend la première partie du poste. Et là c'est vraiment corps à corps. Et puis le lieutenant se fait toucher. Et donc je poursuis l'assaut avec ce qui reste de la section. En fait, ce qui est très incroyable, c'est le sentiment de... Je suis pas psy. C'est le sentiment de voir les choses un petit peu en décalé. C'est d'abord d'avoir eu à vaincre sa peur, ça c'est très difficile. Une fois que sa peur est dépassée, le sentiment que plus rien ne va nous arrêter, que de toute façon ça y est, les digues sont lâchées, les digues sont rompues. Et qu'on ira quoi qu'il arrive et qu'on va se venger de cette peur qu'on nous a infligée. Le sentiment d'être dans cette action extrême, d'expression de son instinct, dans ce qu'il a de plus vil d'ailleurs. Le sentiment d'une sorte de jouissance à pouvoir enfin agir et avoir l'effet très direct, très immédiat de notre action. Les ordres qu'on donne à nos soldats et des gens qui tombent en face de nous. Tout ça alimenté par... la souffrance qu'on éprouve de voir nos hommes tomber à côté de nous et l'envie de les venger. Et puis, donc ça c'est très difficile. Dans cet assaut, la compagnie du capitaine Lecointre du 3e régiment d'infanterie de marine compte 2 morts et 10 blessés. Les démocraties modernes
se construisent parce que leurs enfants sont capables de mourir pour la liberté, pour l'honneur, pour la paix. Vous avez, en mourant, les armes à la main comme des héros de France, redonné l'honneur à la propre nuit et l'honneur à notre pays. Au revoir. Pour Verbania, c'est qu'en donnant le pont de Verbania aux Serbes, c'était la clé d'entrée dans la ville. C'était le pont de Kiel, et c'était fini. Donc, même si théoriquement nous étions en interposition, il y avait dans la ville un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui auraient été trucidées par les Serbes. Ces combats ne laissent pas indemnes ceux qui y ont participé. Pour toutes les raisons qu'on a dites, parce qu'ils ont dû tuer, ça, je pense que c'est le principal qu'il faut rappeler quand même. C'est ce que j'ai découvert moi à cette occasion-là et que j'essaie de dire aux gens. Alors, je l'ai découvert et d'autres l'ont découvert, et mes hommes l'ont découvert, mais dans le corps à corps d'un assaut, on le découvre plus que n'importe où ailleurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'absolument terrible, de devoir faire ça. C'est quelque chose avec lequel on doit vivre après. Et c'est quelque chose qu'on fait pour nos concitoyens, au nom de nos concitoyens et en engageant leurs responsabilités. Et ça, c'est quelque chose que nos concitoyens ne veulent pas entendre. Parce que qu'est-ce qui mériterait qu'on ait fait ça en leur nom? Et qu'est-ce qui mériterait qu'on ait engagé leurs responsabilités à ce point-là? Est-ce qu'il y a réellement une situation de guerre à ce point grave qui conduirait à dire à nos concitoyens: vous avez tué quelqu'un de manière délibérée pour telle raison? Les gens ne veulent pas entendre ça parce que ça renvoie à la bestialité, ça renvoie à la mort, ce sont des histoires de violences dépassées et maîtrisées ensemble. Donc pour ceux qui les ont vécues et qui ont réussi à dépasser ça, ce sont de belles histoires qu'on a besoin de se raconter. Mais pour des gens qui ne l'ont pas vécu, ce sont des choses qui sont difficiles à entendre, je crois. Parce qu'il vaut mieux imaginer que ça n'existe pas.